Sur le premier journal de l'année, gueule ouverte, un canon me vise. Kuribayashi Isekiro, anthologie du poème court japonais. Quatre septembre, 22. Dans son épisode 298 du journal filmé, Arnaud de la Côte évoque les algorithmes de YouTube qui tout à coup amènent un nombre élevé de spectateurs. À qui on s'adresse quand on tient un journal comme ici? Sans doute à soi-même, tout autant qu'aux autres, à la part d'inconnu qu'on porte. Et c'est peut-être ça qu'on partage, cet incertain, ce suspens. Toutes ces questions. 25 septembre, 22. Pendant ce congé maladie, découvert le plaisir de travailler ailleurs que dans le bureau. Compris après tant d'années que ce lieu que j'appelle bureau était inadapté à ce que je comptais y faire. Bureau tard que jamais. Septembre, 22. De nouveau publié sur le site web, abandonné ou presque depuis un an au moins. Peu à peu trouvé l'articulation entre la chaîne YouTube et le site. Les deux formes d'écriture que sont les images et le texte. Septembre, 22. Repris la transcription du journal, s'est traversé du temps et constaté devant la masse de textes le travail de sédimentation qui s'opère ici.
29 septembre, 22. Aujourd'hui, Françoise Renaud laisse un commentaire au journal. Elle écrit, inlassablement, transparence et frémissement de feuillage. De quoi apaiser l'angoisse d'être au monde. C'est peut-être ça la beauté du web. De pouvoir sentir et réfléchir ensemble. En dialogue.